Leur est exclu des synagogues. Plus personne ne veut dire à son frère que ce que tu fais n'est pas bon. Parce que tu as peur d'être mal vu. Plus personne ne veut parler à son bien-aimé. Parce que tu as peur qu'on t'enlève de l'extrême. Plus personne ne veut dire la vérité. Plus personne ne veut parler en vrai langage. Parce qu'il veut préserver sa responsabilité. Parce qu'il veut préserver son don, son ministère, son poste, son fauteuil. Mais laisse-moi te dire, je suis fait. La vérité a disparu. Pourquoi? Parce que les hommes ont mangé la fausse marque. La sagesse de Dieu parle, elle crie. Lorsque l'heure de la vérité est arrivée, Jean le Baptiste n'a pas hésité à dire à Hérode, à dire que tu parles. Est-ce que tu entends la parole, frère? Est-ce que tu m'entends, frère? Alléluia. Jean était lié à Hérode, c'était des amis. Ce que l'histoire nous fait comprendre. Mais quand il fallait prêcher l'évangile, Jean n'a pas hésité de dire à Hérode, adultère que tu es, rends la femme de ton prochain, de ton frère. Où sont passés les baptistes? Où sont passés ces hommes et ces femmes? Ils sont capables de dire, je mourrai pour la vérité, je mourrai pour la vérité, même si on m'exclut des synagogues. Pourvu que la vérité rétentisse, je parlerai. Où sont ces femmes? Où sont ces hommes? Où sont ces mamans? Où sont ces papas, frères? Nous avons porté les étiquettes qui ne nous siennent pas. Lorsqu'un ami ne sait pas, frère, c'est une parenthèse pour rire, on va diminuer, on sait la vérité. La parole. L'œuvre que tu as, la responsabilité qu'on t'a donnée, si elle te correspond pas, tu te rends compte qu'elle t'a pèse, quitte. Enlève la tunique, frère. Plutôt que d'être un poids pour les autres, plutôt que d'accepter. Tu es dans un département, dans un comité. Tu sais que c'est à cause de toi qu'il y a beaucoup de jeunes dans le comité. C'est à cause de toi que Dieu ne parle plus. Tu sais très bien que l'intercession, le problème vient de toi. C'est les chances. Le problème vient de toi, frère. À la sécurité, le problème vient de toi. Calomnie, 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 calomnie. Frère, Dieu est en colère. Le corps de Jésus. On accepte même, frère, de marcher seul. Je ne sais pas ce que Jésus se fait. Oh, frère, même si je ne suis pas accueilli, ce qui importe pour moi, ce n'est pas l'accueil qui me réserve les hommes. Frère, j'aime l'accueil que les anges de Dieu me réservent. Alléluia. Un type d'accueil que j'aime, frère. Après ce message, frère, même si tu me refuses de rester chez toi, il n'y a pas de souci, frère. Il y a un Père qui va ouvrir les mains du ciel pour son serviteur. Il dira, mon serviteur, rentre la gloire de paix parce que tu as prêché. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile a disparu. Les anciens sont faux. Les pasteurs sont faux. Les évangiles sont faux. Les apôtres sont faux, frère. Le peuple est faux. Sont combien, frères, parmi nous, qui rentrent dans le nord des péchés, le problème des lois, ils sont combien parmi nous? On organise des séminaires, vous ne venez pas. On organise des campagnes, vous ne venez pas, frère. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes, frère. Mes amis véritables, ce sont ceux qui font le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis pas dit, mon frère, mon père et ma mère, mes frères, ce sont ceux qui font l'œuvre. L'œuvre des dieux. Mais excuse-moi de te décevoir, frère, mais faire l'œuvre des dieux, c'est pas être dans une communauté. On peut le vérifier dans les écritures. Oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Alléluia. Amen. Faire l'œuvre des dieux ne consiste pas à prêcher comme je fais ce matin, frère. Ce n'est pas d'abord ça l'œuvre des dieux. Faire l'œuvre des dieux, la personne qui est écrite, n'est-ce pas? Dans Jean 6, c'est croire à la personne que Dieu m'a envoyée. Et quand tu crois, oh, Dieu, tu es sûr que personne ne fait. Faire l'œuvre, c'est croire en Yeshua, au maître.
mais ils ne font pas leur père. Ils ne croient pas. Et Dieu me dira que tu crois. Mais si tu crois, la vie doit changer. Mes brebis écoutent, entendent ma voix, me suivent. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Parce que le peuple a compris. Et le message du temps, de la fin, ne consiste pas à donner la main du corps au peuple. Le peuple lui-même a compris que ce qu'il faut comme aliment, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, c'est Jésus. Prêt, c'est manger matin, midi, soir, la peau, la chair, croquer les os du monde. Demeurer en intimité avec Jésus. C'est le message de la fin, frère. C'est la sanctification. Sans laquelle tu ne seras pas enlevé, quels que soient tes yeux. Il n'y a sur l'éternel ni iniquité, ni de chronique. Il n'y a sur l'éternel ni iniquité, ni égard de l'apparence de rien, ni acceptation des présents. Dieu n'accepte pas toutes ces choses lorsque notre cœur n'est pas droit. Et la Bible claire, n'est-ce pas, clairement que lorsque frère, tu dois penser l'iniquité, l'homme est dans la fausseté, lorsqu'il prie, c'est la Bible qui le dit, le Proverbe le dit clairement, sa prière même est une abomination. Oh, Dieu te dit ici que malgré les paroles et les jeunes que tu fais, frère, si ton cœur est faux, c'est une abomination. C'est une perte de temps, frère. Arrête de gêner. Il faut changer ta vie. Arrête de chanter alors que tu es dans la fausseté. Ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Amen. C'est du bruit qu'on fait au trône de Dieu. Oh, yes. Ce que Dieu veut, c'est un cœur répondant. C'est ce que Dieu veut, frère. Même si c'est 2 heures de prière, même si c'est 3 secondes de prière, parce que ton cœur est juste, Dieu est là, t'écoute. Plutôt que de faire des prières méthodiques, frère, avec des introductions, des développements, des conclusions, frère, la lettre, mais Dieu n'est pas. Ta prière n'est pas comme un texte argumentatif, mais Dieu n'est pas dedans, parce qu'il n'y a pas la vérité en toi, frère. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Amen. 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 Oh, Jésus est le Père. Que Jésus est le Père. Si tu crois, frère, touche ton frère, mets la main, tu as suivi pour ton frère. Que Jésus est la main. C'est la main. Est-ce la main du désert? Jésus n'est pas la main du désert. Si vous voulez la main du désert, c'est la préfiguration de la vraie main. Et Jésus doit venir. Plus que la place. Mets la main, attrape ton frère, je vous en prie. Pour la personne que tu as saisie maintenant, tu vas prier et restituer la main, le vrai pain, Jésus. Touche la vie de mon frère. S'il y a dans mon frère un grain, fais cette prière de ton côté. Prie pour ton prochain. Communique-nous le pain. Communique-nous le pain. La pierre de la vie, la pierre de la vie, la pierre de la vie.
L'action de Dieu se déploie plus.
C'est maintenant. L'entrée de Dieu sort maintenant. Il prenait pour toi. Reçois la prière qui est disponible. Je pomade.